Le débat est fait dans le but de comprendre. Si vous essayez de comparer la Bible au Coran, Dieu dit dans le Coran, j'ai révélé le Coran au prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. On a compris, on dit, ah, voilà une révélation faite à un homme. Maintenant, vous voulez comparer la Bible au Coran. Maintenant, vous demandez, Dieu a révélé la Bible à qui? On va comparer les deux. Maintenant, on va voir maintenant, si, écoutez bien, papa, s'il vous plaît, excusez. Si Dieu a révélé le Coran à un prophète, et qu'il a révélé, il a révélé le Coran plutôt au prophète Muhammad, et qu'il a révélé la Bible à un autre prophète, on va voir si le même Dieu la paix se contredit. S'il a révélé la Bible à un prophète qui s'appelle X, et qu'il a, il a révélé le Coran au prophète Muhammad et une bénédiction sur lui, les deux ne peuvent pas se contredire. S'il se contredit, c'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi on veut savoir, d'abord, avant de parler, de comparer la Bible au Coran, dites-nous, à qui Dieu a révélé la Bible d'abord pour voir si c'est un livre révélé de Dieu.